Yo! Bande de rejets, c'est Dark Money aujourd'hui et on se retrouve pour une partie, enfin un let's play carrément sur sur Shadow Warrior. Putain, je suis en mode je sais plus trop quoi, je vais mettre en mode normal hein, pour commencer. Et on va tout de suite commencer une nouvelle partie. Donc oui, l'autre j'avais fait des tests son et tout, tout ça. Donc normalement ça devait pas être trop mal là maintenant hein. Enfin, tester si le... Oh, non, on va mettre le téléphone en mode avion vite fait. Voilà, très bien. Donc, ça fait un petit moment, hein. Surtout faire 2-3 semaines, j'ai pas touché à un let's play, hein, en tout cas. J'ai enlevé tout ce bordel. Hop, et je vais me taire. Quoique non. Vous avez le sous-titre, donc... Donc ouais, un petit jeu qui est sorti depuis maintenant... Oh, un an et demi, 2 ans, hein, ça doit faire un petit moment. Mais j'avais envie de le faire parce que parce qu'il y avait du bataille, il y avait de la bataille au katana. Et ça on aime, ça on kiffe. Bon, il y a pas que le petit katana, hein, mais en tout cas c'est le mieux, le plus mieux, bien comme on appelle ça. Donc vous allez me voir découper de l'alien à coup de katana, ça va être assez beau. Et ouh. Ok, d'accord. Il y a du drama. Hein. Je sais pas de quoi ça tourne, je sais pas de quoi ça parle. En tout cas, je sais qu'il y avait eu un premier jeu en 92, il me semble. Hein. J'avais fait un petit peu. J'étais petit, donc j'ai bourriné quoi. J'ai dû jouer 3-4 heures et pas avancer du tout. Mais j'ai retouché, il me semble d'ailleurs après. Mais j'avais pas fini le jeu et du coup j'avais fait les balèques. Je le ferai peut-être un de ces 4 en live et je ferai la rediff, un truc vite fait, un truc torché comme ça à la rachasse. Et j'ai laissé la fenêtre ouverte. Je sais pas si c'est pas une c'est une bonne idée, mais on s'en fout. Avec la bonne petite voiture qui va venir. Pas une bonne idée. Donc normalement c'est bon. Putain, j'aime bien le mec. Peut-être augmenter un petit peu les voix parce qu'on l'entend pas trop. Ça aurait été sympathique de l'entendre chanter. Putain, cette voiture. Donc ça doit être au Japon hein, ça se trouve hein. En jugé par eux. Le mec qui se gare comme le pire des enculés. D'accord, donc faut rapporter le sabre à un monsieur. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va partir en couille. Ah, avec la petite clope qui... Oui. Acheter le sabre. Mais non, faut le faire en... Ok, bon, je reviens. Voilà, donc j'ai juste monté un petit peu le volume des voix, hein, tout simplement. Et mettre un petit peu les options, commandes. Configuration du clavier, recharger 1. Ça reculer. Il n'y a pas une touche de sprint. Ah, d'accord. Sympa, ça copie. Courir. Très bien, quoi. Voilà. Et normalement, on est paré pour aller buter du méchant. Donc là, on s'accroupit, saute. Du coup, bon, tous ces gaziers là, on sait pas trop ce qui branle, mais bon. C'est très joli en tout cas, moi j'ai. Tu me donnes une baraque comme ça, j'y vais direct. Hein. Ah,
Mec qui est pas content, tu vois. On s'en fout des détails de la mission. Bonjour messieurs. Je le sens mal. En tout cas c'est magnifique, je veux la même. Ça doit être un palace qui doit coûter... Pas des couilles, mais bon, c'est magnifique, hein, faut reconnaître. Faut reconnaître une chose, c'est que le mec il a du goût. Ta mère. Does it matter? This is business. You have the sword, I have the cash. I was told that today I would meet the man behind all this. And yet, here you are. A walking threat. Listen, I'm a collector myself. More into comic book respect. Same thing. Très bien, et ben on va se foutre sur la gueule. What? J'ai l'arme de Raiden. Attendez, j'ai, on va voir ça. Ce que j'avais vu tout à l'heure. Putain, mais j'ai pris trop tard. Y'a un bruit, on bruit. D'ailleurs, on leur balance les trucs la gueule. Ok, on peut dash. Bon bah j'arrive en mode Raiden, moi, on a rien à foutre. On en parle des parades de folie là. Bon tiens, prends toi dans ta gueule. Oh. Déjà, attendez. On va pas faire les cons tout de suite. Bah il est là le truc. Bon. Le pénétrateur de Sensro. Bon, on va prendre prendre celui-là, il a l'air très joli parce que bon. Bon, tiens. Putain, c'est découpage quoi, mais ça veut rien dire. C'est bon, c'est fini? Allez, ouvre. Ah, il y a encore du genre. J'entends des bruits de porte. J'appelle Raiden moi maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, utiliser. Ah ok d'accord. Y'a comme un putain de bourrin. Ok d'accord. Je vais peut-être baisser la sensi après parce que c'est assez obscène. Hein. Allez, on balance. On sait pas ce qu'on fait, mais on sait. Je vais baisser la sensible parce que ça me gêne un peu. Là, c'est le commande. Sensibilité, pas. Je pense que ça ira. Ouais, très bien. C'est pas bien sensible. Par contre, c'est assez nerveux comme gameplay, j'aime beaucoup. Où est ce con? Pas d'achat en l'air, non, pas du tout. Casser les vitres. Oh, thug. Bon. Oh. Voilà à quoi il ressemblait le premier jeu, il me semble. Il me semble que c'était ça. Par contre, j'entends des bruits de porte. Ça me perturbe, hein, on va pas se mentir. Voilà. Got you now. Wouah.
Quoi? What? Ok, d'accord. Là, c'était le katana que j'avais tout à l'heure. Bon, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, je pensais que j'allais le démonter. What? Ah d'accord. Je peux relever la tête s'il vous plaît? Ah, ah. Ça c'est mon boss le mec en haut, à ce que j'ai compris. Chapitre 1. La voix du ninja. D'accord. Bon. Oh mes pompes, ils ont serré mes pompes pour moi, merci messieurs. Bon, par contre je suis dans une cage très très... Far Cry-esque. Oula. Oh damn. Oups, j'ai failli passer le truc, j'allais être très triste. Hein. Donne le sabre, il clignote, donne-le, il est délicieux. C'est de la bonne, ma gueule. Donne envie de passer du reggae en arrière. Donne. Non, 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 je voulais. C'est lui que... Katana Kubaki. Ok. Non, non, ça c'était le katana que je devais récupérer. Ouais. Je suis pas. Je sais pas quel sable je dois prendre en fait. Bon. On va garder celui-ci. Prends le mot. Très bien. Oula. Tu. Ok, d'accord. Donc la santé se régène comme ça. Putain, il y en a du katana. Bon, ça m'étonne que très peu. Hein. Ça, ça me rappelle beaucoup, ouais, le. La carte de sécurité. Putain, il est beau. Hein. Puis sur U. Oh, puis sur. What? Ok, d'accord, on peut bidouiller ses armes. Il y aura de quoi s'amuser avec ça. Bon.
On va quand même prendre le katana. Il n'y a que ça de vrai, le katana. Oh, l'argent des abonnés! J'ai le sabre. Oh, de l'argent. L'abonné. Balle de revolver. Normalement. Ok, d'accord. Faut que j'aille où maintenant? Là. Oula. On va prendre l'argent parce que ça m'a l'air important. What? Cœur démoniaque. Plus sur 8. Ah, ok, d'accord. Bon, du coup, j'ai les mains toutes dégueulasses à cause de cette connerie. J'aime mieux le dash, je trouve que c'est plus rigolo. Bon, j'ai oublié ça. Revolver. Ah. Des balles. Encore deux boîtes. Boîte. Balles. Ouais, hein, j'explore, hein, je vais pas rusher le jeu comme le plus grand des enculés. Merci, enfin j'en demandais pas tant, mais merci d'ouvrir mes portes comme ça. What? Là il y a de l'argent. Ok, d'accord, la porte elle s'ouvre toute seule. Cache les tables et oui, table basse. Ah, on disait aussi qu'il y avait des choses. Non, y'a rien là-dedans, vous êtes sûr? Bon, tout ça pour un peu de sous. Enfin, il y avait quand même pas mal d'argent. Du coup. Objectif en cours. Non, là, j'étais arrivé par là. T'as le mec qui se perd, quoi, s'il te plaît. C'est où ce putain de bordel? Fort ça. Ça c'est dégueulasse. Oui. Oui, oui, mais je veux bien moi, mais je sais pas où il est. Allez, on émousse le katana un petit peu. Question. Elle est où cette putain de sorte? Oh, mais quel con. Ah bah oui. Oh, le kick! Est-ce qu'il y en a derrière moi? Oui, il y en a derrière moi. Oh, kick! Destroy the orcs! C'est pas des orcs, mais je m'en fous, je les déglingue. Tiens! Retourne chez ta mère! Putain, mais il y en a en fait, hein. Yeah, ok. On va tester un petit peu l'arme qu'on a là. Non, pas elle. Tiens. Et toi là-bas. Alors ça fait moins les malins tout de suite, hein. Oh, le médic. Donne. Ah, ben... ça brûle. Bah, ah, ah. Ah bah...
Mais il y a le mec qui est mort à côté. Non, par contre, ça serait bien que tu crèves pas tout de suite. Oh putain, mais pourquoi le jeu il bug là? Il aime pas les accents. Je le sens pas cet enculé. Hein. Ouais, tu l'as au genou? Appuyez sur DD. Attendez, option. Merde, non! Bizarre comme commande là. Si jamais je change le dé. Genre je mets un 7. Très bien 7. Ouais, ça a l'air de bien marcher. Mort. Alors ça, ok, donc ça c'est tout ce qui est succès. Ça c'est tout ce qui est... Oh, il y a des pouvoirs à débloquer. Les ondes de choc, je vais kiffer. Alors, je suis DD.
faire ça, on va tout m'enlever. Quoi? Mais comment j'ai pu me tuer avec un... une bombe incendie? Putain, n'importe quoi. Bon, on se soigne tout. Oh non! Bon bah la suite pour le prochain épisode les amis. Salut! Quoique non, en fait non. Je fais non parce que non. Pourquoi le prochain épisode? On va massacrer... Crève. Et... C'est vraiment de la merde. Allez hop. Voilà. Comme ça qu'on fait. Quoi, qu'est-ce que tu veux toi là? Oh. Par contre, leur connerie avec Dédé là, j'ai pas compris. Hein. Il fait André Pierre Gignac, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bon, là on peut pas y aller. Bon, c'est forcément là-bas. Oh, MDR, c'est quoi? Mal de la santé. J'ai plus lui, on va lui mettre une balle. Voilà. Culé là. Allez, on est le génie. On passe parce qu'on en a rien à branler. Bon, attendez, je reviens, je vais faire un... Ouais, donc... Oh, j'ai réussi. Ouais, donc j'ai regardé la solution en fait, hein, parce que... Que c'est spécial comme commande, donc il va pas faire de conneries. C'est bon, là je suis assez soigné, faut que je me foute à 100, je parie. On va voler l'argent des abonnés encore et encore et toujours. Ah bah, on va soigner au max. Hein, écoutez, ah bah non, on peut pas. Ah la lampe torche, j'avais vu ça dans les contrôles tout à l'heure. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Putain, la décapitation. Bon. Jusqu'à là, tout va bien, hein, je crois. Ok. Ok, du combat. Bonjour, messieurs. J'aurais bien voulu me balader moi. Bon, on s'en fout. Allez, hop. On court. En tout cas, c'est assez joli. Oh, une porte rigolote. Viens là, la porte rigolote. Comment on fait? Bon. Apparemment, on peut pas. Oh, point de karma. Bon. Tuer des ennemis et trouver des fioles de sang vous rapporte du karma. Vous pouvez dépenser et apprendre des... Ok, d'accord. C'est pour les points de compétences qu'on a vu tout à l'heure. Puis sur U. Bon. Ok, bon bah. Bon. Maîtrise du katana. Connaissance.
Déplacement. Chance. Ah, la chance. Esprit. Résistance au feu. Contrôle de la guérison. Bon, maîtrise du katana, je pense que c'est les trucs qui vont me servir le plus. Oh! Bah ouais, bah oui, pratique. Bon. Tout ça pour ça, bah écoutez, c'est pas. Je sais même pas ce que ça rapporte. Ah non, c'était juste pour ouvrir ça. D'accord. D'accord, d'accord. Oula, merci le chargement. Là, attaque rapide et grosse, comme vous avez pu le voir. Ok, d'accord, quand je décape des gens comme ça. Ok, je voulais juste tester ça. Putain, y'en a de là, du peuple là. Ok, ça donne de la vie. Bien. Ah, d'accord, on a des zones comme ça et. Ouh, bon, ouf pas. Clé du cadenas nécessaire. Médic bien Taras. Mais non, mais je me suis pas fait douiller quand même. Ah non, pas. Con. Mais vous êtes vivant, vous? What? Cachez-vous! Oh, le boot! Oula! Casser les bandes d'arcade. On va manger ça. Oh là, j'ai fait de la merde, je suis d'accord. Bon, ça doit être ça. Plus de balles. Enfin, plus de place pour de balles. Ah d'accord, c'était... C'était pas... C'était pas ce que je pensais au début. Bon. Eh ben, allons-y les amis, hein. Qu'est-ce que je voulais que vous dise. De toute façon, je vais faire des épisodes assez longs, hein, parce que fuck, hein. Pas de respect. En tout cas, c'est magnifique, hein, je trouve. Hein. Un petit coup de soin, pas du tout. Ah d'accord, vous voyez, quand j'utilise des compétences, genre ça me bouffe de... Ah non, pas du tout. Ah si, ça me bouffe de l'endurance. Ça me rappelle un autre jeu, je sais plus lequel. Donc faut trouver une putain de statue, d'accord, merci madame. La galinette. Faut bien viser la tête. Dans lui. Oh! Cours! Ah! Ah, le lapin, quoi. Bon. Bah, on va explorer là-bas. Hein. Faut que je trouve cette statue à la con, là. Je l'ai. Ah non, j'ai trouvé juste un seau. Bon, ça donne du karma, donc c'est pas dégueu, hein. Donc comme quoi, on peut explorer dans un lieu de boue, hein. Ça, c'est possible, hein. C'est intéressant. Du sang. Une grande bataille a dû se tenir ici. Lapin. Oh. J'espère que je vais pas faire saturer mon micro, hein. Le mec il gueule, quoi. En tout cas, c'était bien fun. Ah. Tendu un baouf là.
Par contre, cette statue à la con là. Non, on peut pas passer. Putain, ces bambous de merde là. Ah, peut-être là. Mythe. Oh. Les cristaux du thème fournissent de l'énergie du ki, hein, on va appeler ça le ki, qui permet d'apprendre ou d'affronter les pouvoirs démoniaques, puis surtout. Bon. Genre. Ça. Merde! Bah, j'ai appris un truc de soin, j'aurais bien aimé prendre de la protection des ondes de choc et tout. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Attends, je l'ai bien bouffé ou. Ouais, bah j'en ai pas. Dommage, bah de toute façon c'est utile, hein, c'est de la vie, hein, on va pas se mentir. Hein. Genre maintenant. You a chat! Ah, d'accord. Faut que je trouve toujours cette statue de mort. Donc ça, parce qu'on en a pas besoin. Non, bon, apparemment, il y a un truc forcément dans cette zone. Faut juste ouvrir ces putains de yeux. Un lapin. Il m'a vu. Il ne me reste que 13 secondes pour l'abattre. Jaw is down. Bref. Et qui bute du lapin et qui est trop concentré, tu vois. Putain, c'est n'importe quoi. Elle est où cette statue de mort là? Putain, mais. Pour. Avec une lanterne ou brûlée? Ah bon? Ah bon? Comment on fait pour brûler ta putain de flamme bleue? C'est ça, ça se tue, non? Non. Je pense pas. Mais c'était la grosse statue de Bouddha là qu'on avait. Enfin pas un Bouddha mais vous avez compris sur le principe du bordel. Genre ça si je fais ça. Rien à foutre. Oula. Ça explose. De la lampe, quoique non, on peut la garder parce qu'il fait assez sombre. Hein. Où ont-ils bien pu foutre cette saloperie? Non. Là, on y allait. Putain, mais c'est un putain de labyrinthe leur connerie. Attends, on va sauvegarder. Ouais. Ouais, ouais. Oula. Un morceau de lapin. C'est du rabbit stew. Oh! Oh! D'ailleurs. Ah, ta 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 ta. On va arrêter. Putain, mais elle est où cette statue de merde là?
Guide-moi. Ça, on l'a déjà fait. En plus, ça doit pas être un truc de gars de. De cognon, là. Et aussi, je fais ça. Brûler une flamme bleue. Mais putain, mais tu veux pas m'aider, toi? Putain de crâne là que j'ai sur la ceinture là. Ouais, donc désolé, je m'en étais arrêté à peu près là. J'ai eu un bug de disque dur, désolé, hein, excusez-moi. On va éteindre ça et j'ai entre temps en fait, enfin j'ai juste, je pense que ça a duré. Vous avez loupé 20 secondes, sérieusement. J'étais là et j'ai vu une putain de truc bleu. Je me suis approché là, bon, je voulais le détruire et après j'ai vu qu'il y avait un passage. Donc, on va se mettre. Bon, bah, mon avis. Merde. Je tombe de bouton. Voilà. On prend le karma. Et on va. On va se mettre devant la porte et on va s'arrêter là. Parce que ça commence, ça va faire, je pense. Oula. Bon, du coup, un peu de baston avant la fin de l'épisode. Bon, bah, du coup, on s'arrête là. On attend juste qu'ils ferment leur gueule, les deux zigotos là. Merci bien. Et je vous donne rendez-vous surtout pour le prochain épisode. Allez, salut, ciao, c'était Dark Moon, à la prochaine.